Alors le principe du jeu du camion qu'il faut compléter, le camion représente la quantité et l'élève a à sa disposition une collection soit de 2, hein, par exemple donc il peut faire 2, 2 et 1, hein. Il peut faire également une collection de 3. Mais par exemple, il ne peut pas faire une collection de 1 et encore de 1 parce que ensuite, vous voyez, quand il va choisir, eh bien là, il en aura une de trop. Hein, pareil ici. Donc c'est une façon aussi de construire la quantité. Hein, la quantité 3, eh bien c'est 2. C'est 2 et 1. Ou c'est 1. C'est 1 et 2. Mais c'est aussi 3. Voilà. Donc en fonction des cartes qu'il a à disposition, eh bien il pourra construire la quantité.